Nadia Alhnout, directrice de l'Académie marocaine des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La thématique d'aujourd'hui est très très intéressante, du point de vue donné qu'elle a exposé. Elle gagnerait à être suivie par une autre étude de comment réagir par rapport aux perceptions qui ont été relevées lors de l'étude des différents pays, des 27, je pense, pays. Donc, elle gagnerait à être suivie d'une autre étude montrant un peu comment réagir par rapport à ces perceptions, comment élaborer une feuille de route avec des actions concrètes, bien entendu, dépendamment des pays et des perceptions que le Maroc suscite chez les uns et les autres. Et c'est aussi le rôle de tous les départements et ministériels et autres structures du Maroc pour travailler chacun dans son domaine sur l'aspect qui le concerne, les universitaires également, les Marocains résidant à l'étranger, le milieu académique, les étudiants, la société civile, etc. Donc ça serait une bonne chose de se réunir encore une fois autour de la table de l'IRES, comme à son habitude, et de collecter un peu toutes les propositions des uns et des autres. Je vous remercie.